Alors, on dit que l'incident est clos au niveau de l'Iran, là, s'il n'y a pas de riposte d'Israël. Mais Israël dit que la confrontation n'est pas terminée. Donc là, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à une réplique d'Israël? Parce que de ce qu'on entend, Israël ne semble pas vouloir laisser les choses comme ça, là. Non, et là-dessus, évidemment, tous les scénarios sont de l'ordre des possibles. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait transformer hier soir en une quasi-victoire pour Israël qui lui permettrait d'éviter de devoir poser des gestes extraordinairement puissants? Parce que d'avoir été capable d'arrêter, avec le concours d'alliés comme les États-Unis, une attaque de ce type-là, ça permet à l'Iran de faire semblant qu'ils ont eu une victoire, c'est ce qu'ils recherchaient. Est-ce qu'Israël en a assez ici pour dire « pour l'instant, ça va », ou on a besoin d'y penser davantage? Le fait qu'il n'y ait pas de riposte sur le terrain au moment où on se parle, c'est déjà dans le contexte une petite victoire contre l'embrasement. Et il faut voir ici que l'Iran est passablement isolé. Bien sûr qu'ils ont leur proxy maléfique que sont le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, mais pour l'intervention de hier soir, l'Égypte faisait des appels au calme, l'espace aérien de la Jordanie et de l'Irak, ont été ouverts, notamment aux avions alliés, pour essayer d'abattre les drones iraniens en vol. Donc l'Iran est un peu tout seul. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à gagner d'un embrasement, à commencer par certains partenaires importants de l'Iran, comme la Chine, qui est un de ses clients les plus importants. Alors la pression va être extraordinairement forte. Maintenant, politiquement, il n'est pas impossible que les Israéliens souhaitent avoir des garanties de sécurité, et peut-être que la garantie ultime, c'est que l'Iran n'ait pas les moyens de renouveler une attaque comme ça, soit directement, soit à travers les proxys. Alors, quelque part, pour convaincre les Israéliens de lever le pied ou donner une chance au temps, il faudra qu'il y ait, par discussion interposée, une intervention de l'Iran pour calmer le jeu de son côté. Et ça, c'est à travers les gestes du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, qui sont véritablement les espèces de prolongement à une distance de bras de la volonté maléfique de l'Iran, là. Et avec les réactions, Guillaume, de la communauté internationale, est-ce qu'il n'y a pas deux solitudes qui se créent actuellement dans le monde? Bien, il pourrait y avoir potentiellement deux solitudes, quoique beaucoup, je vous dirais que le camp de l'appel au calme est passablement majoritaire, là, est vastement majoritaire, en commençant par les États-Unis, qui utilisent justement le succès d'hier soir comme une raison de pas avoir besoin d'une riposte outre mesure, d'une volonté de dire à Israël, malgré tout, ça va. Et on sait toujours comment commencerait le prochain geste, mais quelle va être la conséquence de ça, c'est là où c'est pas clair. Alors là-dessus, je vous dirais que des gens qui disent, il y en a des voix pour dire, ben c'est l'occasion rêvée par certains d'en finir avec l'Iran et de détruire la capacité iranienne de répliquer de telles attaques, voire pire. Mais ce sont des voix bien minoritaires, bien qu'elles existent. Il y a des frappes contre le Hezbollah. Israël, on a vu, en a fait au cours des dernières heures au Liban. Comment Israël pourrait mener autant de fronts en même temps? Parce qu'avec le Hamas, ce n'est pas nécessairement terminé. Là, il y a l'Iran, également le Hezbollah. Au niveau logistique, ça peut devenir compliqué à un certain moment. C'est une pression importante, mais il faut savoir que Israël, malgré d'avoir été pris par surprise là, par les attaques du 7 octobre dernier du côté du Hamas, Israël vit toujours dans un contexte où ils savent que plusieurs de leurs voisins souhaitent leur destruction. Israël, ce n'est pas un État ordinaire. La majorité de la population active fait partie des forces armées de manière active ou sinon dans la réserve. On a ici un petit État, mais avec des moyens militaires surdimensionnés, et des alliés, à commencer par la Grande-Bretagne, ou encore la France, ou encore les États-Unis, au plan militaire, extraordinairement importants et imposants. Et malgré tout, malgré les hésitations du président Biden envers le premier ministre israélien sur les méthodes, le président Biden l'a encore dit, la sécurité d'Israël est non négociable. Et à ce point-là, sur cet enjeu-là, le Hezbollah étant beaucoup plus complexe, beaucoup plus, je dirais, dangereux
que le Hamas en termes de capacité militaire, c'est là où probablement qu'il y aura une pression très forte sur celui qui écrit les chèques et qui arme le Hezbollah, qui est l'Iran, de dire « Vous avez eu votre petite victoire symbolique parce que dans certains médias arabes, on imagine qu'Israël a presque été détruit là, à certains niveaux. Profitez-en, vous avez votre discours symbolique, mais il n'y a pas de victoire possible pour vous face à Israël. » Et en terminant, Guillaume, là, si on regarde les risques d'embrasement du conflit dans la région, c'est quoi un peu la proportion, si on essaie? Est-ce que c'est du 50-50, là, le risque qu'il y ait aggravation du conflit et que ça s'étende à l'ensemble de la région? Bien, je vous dirais deux choses. D'abord, le fait que sur la pluie de drones, il y a eu sur le sol israélien, bien qu'il y ait une petite fille de 7 ans qui lutte pour sa vie, des dommages en proportion relativement limitée. Ça rajoute, je dirais, du poids au camp de l'espoir que ça, on pourrait se calmer. Mais vous savez que le conseiller à la sécurité de Joe Biden, quelques jours avant l'attaque du Hamas, avait dit dans une conférence « Jamais jusqu'à maintenant, on a eu un contexte général qui nous amène à dire qu'on a une paix peut-être durable ou une situation plus calme au Moyen-Orient. » Alors, vous comprendrez que peut-être que l'hubris ultime, c'est de s'imaginer que on peut prédire l'avenir dans un des coins les plus explosifs de la planète. Ici, même, on doit avoir de l'espoir, mais s'imaginer qu'il ne peut pas y avoir de dérapage, ça, c'est plutôt, je vous dirais, de la naïveté. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir éclairé ce matin. Au plaisir. Au revoir.